va jouer le même chalet pour l'air. Bonne nuit, tu me souviens. Bonne nuit, tu me souviens. Haïti vit dans l'isolement, sous embargo et total. Complètement étouffé, l'Empire français continue de menacer le jeune État haïtien. Les Haïtiens acceptent ce qu'ils appellent une reconnaissance de dette pour dédommager les anciens colons. Nous bajamos en el supermercado y estando dentro comenzó a temblar. Solo abrí los pies para mantener el plano de sustentación, pero hubo un momento que se arreció y me tumba al suelo. Solamente miré al techo y pensé, bueno, se acabó. Tout de suite après, il y a eu une espèce de silence énorme, tout aussi fort, je dirais, tout aussi que le bruit. Et puis après cette minute de silence et de poussière, on ne voyait plus le ciel. À las 11 de la noche, que ellos eran ya cientos y cientos de personas los que entraban. Entraban carros y nos dejaban allí. Nos ponían en el suelo la cantidad de heridos, cientos de heridos. Y las personas se le sujetaban a uno por las piernas, pidiendo ayuda y demás. Y cada vez eran más y más y más pacientes que llegaban. No había descanso prácticamente. Y nos asomábamos a las puertas del salón pensando que aquello estaba. Cada vez eran más y más y más. Son imágenes que trato de olvidar. Que trato de no recordar, que trato de no comentar. Certaines réactions n'étaient pas celles auxquelles on s'attendait. C'est-à-dire que les Américains qui ont envoyé une vingtaine de milliers de soldats, on n'en avait pas besoin. Et j'ai vu des scènes ridicules pratiquement, c'est-à-dire le palais présidentiel qui était à moitié écroulé, il n'y avait personne à l'intérieur, et des soldats américains sautaient dans la cour du palais comme des Rambo avec des énormes armes à la main. Ensuite, on a parlé d'insécurité. Moi, j'étais là dans le pays, je n'ai pas vu autant de scènes de pillage que ceux qu'on nous montrait à la télévision. Nou se do te ki ven ki vin la pou pale, tou bagay kolera, silens. Tou bagay kolera. Nou kone bien, mala vi kolera poko akampe. Nou besoe kone tou bagay ke nou a fe pou evite. Laveme a savon avan manje, le nou soti sou letrin pou fe to ale. Il y a une population qui est à la dérive. Parce que quand tu es analphabète, tu as évolué à 85%. Grâce à un programme Oui Moins Capable, l'intensité a commencé à baisser. Après des ans, on s'est réglé. Nèg vle fèl konnen soleil, c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Yon bataille qui va bien réglé. Yon prend terre, yon ban Bible an accepté. Tande. Femme ti yon profil en travail. Chem met you. L'aide qui vient des grands pays. Ce n'est pas de la générosité, c'est une question d'intérêt. Maintenant, on a vu, par exemple, au lendemain du tremblement de terre, que tous les pays qui arrivent, ça va représenter quelque chose d'énorme, ce marché de la reconstruction. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont venir des États-Unis, qui vont venir de France, qui vont venir du Canada. Donc, ce n'est pas de l'aide, entre guillemets. C'est des chiffres d'affaires et c'est des entreprises qui vont venir de ces pays-là et puis qui vont, quelque part aussi, endetter à nouveau Haïti.